Oh mon dieu. Tu sors 6h? Tu veux que je te récupère? Ouais, c'est trop loin pour marcher. Non, je me débrouillerai en gros. Ouais, on va dire qu'elle nous récupère. Ok, en gros, je serai un garçon épuisé après. Ok, j'aurai une bière pour toi plus tard. Amuse-toi bien. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un jeu Puppet Combo. Ça fait au moins un an que je veux vous le faire et je sais pas pourquoi je tarde à vous le faire à chaque fois. Donc c'est Night Shift. Ok, donc on a l'effet VHS. Mais je peux vous mettre l'effet donc PlayStation. Et je pense que c'est beaucoup mieux pour vous, donc on va jouer comme ça. Ce sera mieux à regarder. Donc voilà, on travaille de nuit donc dans Quick Mart. Donc c'est une station essence. Donc c'est parti. Ok, donc on va visiter un petit peu. On a une borne d'arcade, donc Power Drill Massacre. Souvent Puppet Combo, donc c'est les développeurs, ils mettent en scène leur propre jeu dans leur jeu. Ok, on va pas aller pour l'instant à l'arrière. On va parler donc au vendeur. Donc il s'appelle Katz. Juste à l'heure, dépêche-toi et viens. Donc j'ai un rancard ce soir. On va lui dire c'est des conneries. On lui dit avec qui. Ou sinon on lui demande juste pour le travail, est-ce que c'était blindé aujourd'hui, est-ce qu'il y avait du monde. On va lui demander avec qui. Tu n'aimerais pas savoir. Qu'est-ce que ça veut dire. Allez, je dois partir. Est-ce que t'as nettoyé le sol au moins. Est-ce que le téléphone est réparé. On va demander s'il a réparé le téléphone. Non. Donc la compagnie du téléphone n'est jamais venue. Il est toujours mort. Et tu n'es pas censé toi sans faire des appels au téléphone au travail, donc voilà. Hey, Rick nous a laissé une liste des choses à faire, donc pendant cette nuit. Maintenant, je dois m'en aller d'ici. Oh ouais, une chose de plus. J'arrive à trouver les clés nulle part. Les toilettes sont verrouillées. Donc va derrière les poubelles, je pense. Ok, joli. Allez, bon rendez-vous. Donc c'est compliqué, si les toilettes sont fermées en plus, si on a envie de faire pipi. Donc si mes calculs sont corrects, donc je serai à la troisième base dans 1h, 16 minutes et 32 secondes. Ok, donc c'est un code pour ceux qui ont compris. Donc on va prendre sa place tout simplement. Je vais aller voir à l'arrière boutique si je peux justement faire mon tour. Ok, donc là c'est assez creepy. Donc on est dans l'arrière boutique, il y a la nourriture, food, vous avez vu, il y a les stocks. Ici on a la caméra de sécurité. Donc pour vérifier ce qui se passe. Là donc justement on peut pointer donc pour le travail. Là c'est verrouillé. Là on aura le balai. Et ici, pareil, encore des stocks. Donc voilà. Donc on va pointer. On va prendre notre carte. Et on va la rentrer. C'est parti. On va prendre notre tour de garde. Ok, donc je pense que c'est lui. On entend le moteur de sa voiture. Je pense qu'il est en train de partir. Donc la caisse enregistreuse. Donc si je vends quelque chose, je dois mettre l'argent là-dedans. Donc c'est logique. Motor oil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je peux rejeter les objets. Donc ça c'est pour contrôler la pompe à essence, si quelqu'un justement vient mettre de l'essence. Ok, donc j'ai pas le droit de sortir pendant mes heures de travail, d'accord. Ok, nous on va tester la borne d'arcade. Je sais que c'est pas bien. On va mettre une pièce et on va jouer. Wow. Oh non Jeff, réveille-toi. Ok. Quel est ce jeu maudit. Ok, on rentre dans l'usine. Ok, ça génère automatiquement. On récupère une clé. Il y a la sortie. Et là, on a une clé pour la sortie. Non. Ok. Il me faudra peut-être une autre clé. Celle-là. On a toutes les clés. Yes. Ok. Les niveaux plus bas. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh my god! Il me reste une vie. Il me reste 0 vie. Y'a personne qui arrive. Je suis censé travailler, hein. Pas jouer aux jeux vidéo. Oh mon dieu, c'est creepy ce jeu. Oh mon dieu, ah. Non, allez, on se casse. Plus jamais ce jeu. Power Drill Massacre, sérieux. Ok, y'a personne qui vient là. C'est très très calme. Donc y'aurait une tâche des choses à faire, on l'a pas fait. On n'a pas regardé.
ici. Salut les gars, je suis désolé, donc la ligne elle est pas réparée du téléphone. Donc ce que tu dois faire c'est sweep the floor, donc nettoyer le sol, replacer les items, donc ce qu'il y a dans le caddie à côté de moi, enfin dans le panier, et nettoyer les toilettes, Eric. Ok. Donc les chips, ça va dans le rayon des chips. C'est là les chips. Ok. Motor oil. Donc l'huile de moteur, l'huile de moteur, l'huile de moteur. Ça c'est pour la bière. Ça c'est les accessoires de voiture, donc c'est ici. Il nous reste un dernier truc. Donc la bière, voilà, c'est dans le frigo au fond. Voilà. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on a un client? Il y a toujours... Ok, il y a un client les mecs. On a un camion. Donc il veut peut-être de l'essence. Ok, il y a un client qui arrive. Il est là. Ok, est-ce qu'il est suspect ce chip? Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Salut, est-ce que tu peux me donner 10 euros d'essence? Ok, on va faire ça mec. Merci. Donc l'argent dans la caisse enregistreuse. Et toi, on te donne 10 euros d'essence. Enfin 10 dollars vu qu'on est au state. Nickel. Donc pour l'instant, premier client satisfait. On a bien fait. Donc je vais aller prendre le balai. On va nettoyer un peu donc le magasin. Ce serait une bonne chose. Il n'y a rien là? Ok, tout est safe. C'est verrouillé. On prend le balai et on va nettoyer un petit peu. On va sweeper le sol. On va nettoyer un petit peu. Voilà. Parce que si le magasin n'est pas propre, ben personne n'achètera. Ils vont dire qu'on est des crasseux. Allez, c'est très très long de sweep là. Là, on est un peu dans Balai Simulator. Hein. Vous vous rendez compte, je dois attendre que cette barre descende tout en bas. Là, on est dans le cliché du vendeur qui a rien à faire. Hein. Il passe le balai, il attend que les clients arrivent. Allez, s'il vous plaît, plus vite. Ok, on a un véhicule qui arrive. On a une camionnette. Les camionnettes comme ça, c'est très louche dans les films américains. On va retourner derrière, on sait jamais ce qui se passe. Je suis censé servir les clients. What? Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Eh mec, reviens, qu'est-ce que tu fais? Oula, lui il est louche les mecs. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe devant le magasin, il repart comme ça. Je vous avais dit qu'elle était louche cette camionnette. Très très louche. Ok, je le sens pas. Va y avoir un psychopathe les mecs et c'est lui. Allez, le balai, dépêche-toi mec. Allez, on a presque terminé. Yes. Fini nettoyé. On va jeter ce balai. Donc là, je pense avoir tout fait. Ah, nettoyer les toilettes. Nettoyer les toilettes, ça je l'ai pas fait. Mais encore faut-il sortir pour nettoyer les toilettes. Alors, attendez. Ah, il y a un client qui arrive. Il est où? Ok, il y a une voiture rouge. Ok, c'est une femme. Salut, est-ce que je peux t'aider? Où allez-vous? Salut. Je lui réponds quoi? Est-ce que je peux vous aider? Oui, j'ai juste besoin de quelques cigarettes. Ok, quelle marque? Est-ce que vous pouvez me dire la marque? Allez, on va lui parler poliment. Désolé, je suis tellement défoncé. Ok. Ah, Banshee Red. Avec des filtres. D'accord. Tiens, je pense que voilà. Prends tes cigarettes et donne-moi le fric. Oh yeah. Je peux utiliser les toilettes? Non, je peux pas les ouvrir ou on lui répond non, méchamment. On va dire qu'on peut pas les ouvrir. Bien, c'est bizarre. Bonne chance. Ouais, merci. Ces histoires de toilettes là, ça m'inquiète. Surtout que le téléphone ne marche pas. Ok. Donc du coup, on va continuer ce qu'on était en train de faire. Faut nettoyer les toilettes du coup là maintenant. Mais bon, je peux pas sortir. Le balai est ici. Là, on a rien. On va verrouiller. On a rien. Comment on va faire les amis? On va attendre qu'un autre client arrive. Allez, vous savez quoi? On va se relancer dans cette borne d'arcade. Personne qui arrive. Toujours autant horrible.
Donc en fait, il faut récupérer, je crois, 3 clés par niveau. Ça nous permet de nous échapper dès qu'on trouve l'exit. Donc l'exit est là. Le truc qui est horrible, c'est que ça génère petit à petit. Donc on a 2 clés et là, il manquera celle du milieu. Ok, elle est là. Allez, on prend l'exit. Il n'y a personne qui arrive. Attendez. What? Il est encore là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh mon dieu, ça fait penser à Jeepers Creepers pour ceux qui connaissent la musique. Les musiques de l'époque de Fallout. Oh mon dieu. Ah, il est vraiment creepy le chip. Hein. Je crois qu'il veut m'enlever dans sa fourgonnette. Je le sens pas du tout. Vraiment, je le sens pas du tout, les mecs. Ok, on va continuer. C'est une très mauvaise idée. Ça a beau être un jeu en 2D, il y a vraiment des screamers dans ce jeu, ça fait peur. Ok, on a les 3 clés. Factory, pièce numéro 2. Ok, première clé. En plus, ça se ferme au dernier moment. Ok, il y a une tache de sang, là. Oh mon dieu. C'est horrible. J'ai qu'une seule clé, elles sont où les autres? Ok, il y a plusieurs pièces. Allez, il me faut les deux autres clés. Ok, cul-de-sac. Y'a personne qui arrive là. Si un client me voit jouer, c'est pas sérieux. Allez, on a une clé là. Et on a une juste à droite. Ok, allez. Hatchik, qu'est-ce que c'est qu'Hatchik? Ok, on a une clé là. Y en a une à côté. Ok, il nous reste une dernière vie. Y'a personne qui arrive? Ok, ok, là c'est pas cool. J'ai la dernière clé. Y'a l'exit, elle est là. Yes, factory, pièce 3. Personne qui arrive? What? C'était quoi ce bruit? Ah les gars, même ce mini-jeu donne une pression énorme. Où sont les clés? Ok, plus jamais, vraiment plus jamais là. Ok, qu'est-ce que je peux faire là? Y'a pas de client. J'ai pas le droit de boire pendant le travail, bah ça c'est sûr. Allez, on va aller dans l'arrière-boutique. Pour l'instant, y'a rien. Hein. On n'a pas le choix. Oh! Les gars, y'a un client qui vient à pied. Je le sens pas du tout. Depuis quand les clients viennent à pied la nuit? Oula! Les gars, c'est le mec de la camionnette, c'est obligé. Y'a un client qui arrive. Oula, je le sens pas du tout avec sa coupe, lui. Qu'est-ce qu'il veut? Salut? Est-ce que tu es seul? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Oui? Non, mon pote est à l'arrière. Ouais, bon, on va lui dire qu'on n'est pas seul. Qu'est-ce qu'il fait? What the fuck? Les mecs, il me fait flipper. What? Il me regarde? Qu'est-ce qu'il fait? Les gars, je suis sûr que c'est lui qui est venu en camionnette. Les gars, ils m'observent. Oh mon dieu, il fait peur. Il fait des trucs chelous, ce chip. Mon dieu. Les gars, ils me regardent. Il va acheter un truc ou il est juste venu en mode creepy? On va l'observer là. Ouais, il me regarde. Oh, il fait que m'observer. Eh, il est louche le chip. Il est venu à pied déjà la nuit. Ça peut être qu'un démon. Il va acheter un truc ou pas? Ok, il va acheter une bière. Eh, il fait vraiment peur. Hein. Ok, une bière. Tout ça pour ça? Ok, il part. Il va où? Les gars, on est d'accord que la camionnette, au dernier moment, elle est partie là-bas. Hein, et après, on l'a plus revu passer. Et là, il se dirige vers la camionnette pour moi. Pourquoi le téléphone ne marche pas? Pourquoi le téléphone ne marche pas? Ok, vous sentez les problèmes à partir de maintenant ou pas?
Hein? Il y a une porte qui a bougé. Il y a une porte qui a bougé alors qu'on est tout seul. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est ouvert, les mecs. Les mecs, c'est ouvert. Mec, c'est ouvert. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? C'est ouvert. C'est pas normal. Les toilettes. J'ai peur. J'ai peur. Il y a des symboles bizarres. Ok, je peux pas entrer par là. Je suis obligé de rentrer par où je suis venu. Et là, on a les poubelles. Les mecs, je le sens pas du tout. C'est lui, hein. C'est le mec à la coupe afro, c'est sûr. J'ai peur. What? Ah, ok, non, j'ai cru que c'était une personne, j'ai eu peur. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh le screamer! Oh oh. C'est très très inquiétant. Il m'a buté, mais d'une façon... Je m'y attendais pas du tout. Je vous cache pas que j'ai peur. Ok, je crois qu'on est obligé d'aller dans les toilettes. Oh mon dieu! Il est juste là! Ferme la porte! Vous voyez, ça dépasse. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort, les mecs. Oh mon dieu. Je fais quoi à partir de là? Ok. Je viens d'entendre le bruit de la porte derrière. Faut checker les toilettes. Oh my god. Ok, donc on peut voir de là les toilettes. Mais on ne voit personne. Ok, elles sont ouvertes. Hein. Donc quelqu'un nous a ouvert, les gars. C'était censé être fermé à clé. J'ai une théorie. Est-ce que c'est pas le mec qui travaille avec nous? Il n'y a que lui qui peut avoir les clés. Même pour les toilettes, elles sont censées être verrouillées. Moi, je rentre pas là-dedans, moi. J'ai très très peur, les amis. J'ai pas trop envie d'aller là-bas. En plus, ils m'ont verrouillé la porte de devant. C'est vraiment traître. Holy shit. Oh mon dieu. Ok, j'abandonne ce jeu.